Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je salue nos bien-aimés qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Continuez de persévérer avec nous. Amen. Vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est avec vous. Amen. Je salue mon frère Jérémy Koudi. On l'a déjà présenté. Moi, c'est mon fils. Et ça, Jérémy, lève-toi. On t'a présenté déjà. C'est une partie de nous-mêmes, de nos côtés. Et je suis très heureux de le revoir revenir au pays pour quelques jours. Il m'avait déjà appelé avant qu'il ne vienne. Que Dieu te bénisse. Amen. Salut son épouse aussi. Soyez bénis. Il salue mon frère Jérémy. Lève-toi aussi. Non, 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 lève-toi, lève-toi. Tu peux te lever. Il y a un moment, on ne le voit plus. Il était quelque part. Vous savez que même si on ne se voit plus, ce qui est important, c'est que nous soyons dans la foi. Parce que si nous sommes dans la foi, nous allons nous revoir un jour. Tu peux t'asseoir, mon frère. Maintenant, il se salue quelqu'un de particulier. Quelqu'un qui m'a présenté un jour ses messages. Vous voyez que vous êtes dans le... Qui veut le voir? J'étais déjà prédicateur méthodiste. Je vous ai dit que quand il m'a présenté ses messages, ça m'a apporté des inconforts parce que j'allais à l'église de Gaumont et il y avait un siège spécial sur lequel il m'asseyait. Mais dès que je suis de ces messages, je n'y allais plus, j'étais devenu. Et j'ai été confronté au problème du baptême. Vous savez, celui qui a reçu ces messages, qui n'a pas été bousculé, il ne sait pas si vraiment il l'a reçu. Parce que j'étais confortablement assis dans l'église méthodiste, hein, fils de pasteur, évangéliste. Et puis, brusquement, j'apprends quelque chose de bizarre. Et les parents du village m'ont mis en garde contre lui. On me dit, c'est un fou. Alors, il ne faut pas écouter ce qu'il te dit. Mais je vois que ce qu'il dit est vrai. Frère Abro Clément, tu peux te lever? Voilà. Et je suis très heureux qu'il soit toujours dans la foi. Amen. Il est plus jeune que moi. Je suis arrivé dans son village en 1972. Et c'est là, de 72 jusqu'en 76, il est venu à ses messages. Je l'ai reçu. Aujourd'hui, je peux venir lui donner un bouton de fleurs. Amen. Qui est d'accord? Je ne veux pas attendre pour lui donner un gros bouquet. Mais c'est Dieu. Amen. Qui va le lui rendre. Amen. Parce que lui, il était déjà avec le frère Christophe à Kangenazé. La dernière fois, je vous ai présenté le frère Mambo, qui est un oncle à moi. C'était un jeudi. Frère Abro, lève-toi s'il te plaît. Hein? Vous voulez qu'il vienne? Bon. Il a des problèmes de vue. C'est quoi, il ne veut pas le déranger. Vous voulez qu'il vienne? Bon. Les déplacements sont difficiles, mais je crois que Dieu peut faire un miracle. Amen. C'est le Dieu des miracles. Aussi longtemps que nous sommes encore vivants, Dieu peut faire des miracles. Amen. Moi, je le crois. Hein. Amen. Moi, même si je suis debout ici, c'est un miracle.
Je vous le dis honnêtement. Hein. C'est un miracle. Alors, ce n'est pas dans la prédication. Hein. C'est après que je vais méditer la prédication, ça ne va pas durer. Mais je tiens à le dire. Et on n'était pas nombreux. Lui, il est là, il peut le confirmer. Lui, il était déjà avec le frère Christophe, dont la fille est ici, la soeur, une fille Rebecca. Et c'était un petit groupe à Kanganazé. J'ai même la photographie de la Patam. C'était un manant Patam. Et je revois encore les premiers qui étaient avec nous. Il y avait aussi des gens très jeunes, et dont certains sont ici. Mon frère Assid Begui, est-ce qu'il est là? Frère Assid. Bon, peut-être il n'est pas là. Mais c'était les plus jeunes. Et je vois encore la Patam, un petit Patam en papo. C'est là qu'on partait. Je reconnais tous ceux qui étaient sous la Patam. C'était tout pour le sud. Et puis ailleurs, il y avait le frère Jérémy qui était à Guitry. Il y avait le frère André qui était à Conefla. Et puis, je crois que... Ah bon, tu conduis, hein? Si, il y avait aussi... qui? Asikien, si, frère Isaïe. Il y avait Stanis lui-même. Ceux qui sont du sud. Voilà, voilà le message. Il y avait aussi le frère... le père d'Emmanuel, là. Lucou Benoît, il y a fait le frère Lambert, il y a fait le frère Nagon n'est plus là. Il est entré dans la gloire. Et alors, on tenait les conventions à Kaganazier. Et en 60, je ne sais plus, 77, je ne sais pas, il y a un jeune, dans tout le village, on a lancé la paix. Qui veut donner à Dieu? Il y a un seul qui s'est donné à Dieu, c'était Abolé. Qui connaît Abolé? Ce sont des serviteurs de Dieu, petit Abolé, vous voyez. C'était le seul dans tout le village de Kanganazé. Mais l'autre était seul à son devoir. Amen. Ce n'est pas pour glorifier le frère. Non. Ça veut dire que ceux qui ont commencé le message, il y en a qui sont encore là. Amen. Et s'ils sont là, nous devons tenir nous aussi. Amen. Et le même Dieu qui les a soutenus, qui les a secourus, nous secourra aussi. Nous allons arriver à destination. C'est sûr. Beaucoup sont morts dans le désert, mais ceux qui avaient été vraiment choisis sont arrivés. Moïse n'est pas arrivé, mais Dieu lui a présenté la terre promise. On n'est pas heureux? Et on l'a vu lorsque le Seigneur est dans la préfiguration. Le Seigneur a été avec Moïse et Élie. Non, mais Moïse n'est pas mort, il est glorifié. Amen. Mais Josué et Caleb sont arrivés. Amen. Et il faut qu'il y ait des Josué et des Caleb ici. Amen. Qui veut être Josué et Caleb? Amen. Ne jouons pas, l'avènement du Seigneur est une réalité. Amen. Le frère Isaïe est encore là. Il y en a qui sont là. Donc il y a des gens, frère Christophe est encore là. Non, ne pensez pas que c'est un jeu. C'est un combat. Amen. Quand nous marchons, notre ennemi, il exerce une puissance sur nous pour nous empêcher d'avancer. Mais la Bible dit, dans Deutéronome chapitre 9, que le Seigneur nous fait passer le Jourdain pour nous rendre maîtres de toutes ces puissances-là. Amen. Parce que notre Dieu lui-même, en tant que feu dévorant, il nous précède. Amen. Et il dévore toutes ses puissances. Amen. Votre amen n'est pas souvent. Amen. Vous ne voyez pas l'importance là que quelqu'un est devant vous, il déblaye le terrain. Amen. Donc quand vous avancez, ne pensez pas que vous êtes seul, hein, vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un qui est un feu dévorant. Amen. Le Dieu que nous adorons, il est devant, il nettoie le terrain. Amen. Nous allons prier pour notre frère... D'abord, le frère
Matthias, il va faire un long périple. Et puis ensuite, on va prier pour frère Abro. Lévons-nous, prions pour frère Matthias d'abord. Moi, je le dis, Dieu l'a envoyé ici pour un but précis. Et il l'utilise comme il doit le faire. Et il va aller visiter des églises qui l'ont invité. Moi, j'aurais voulu, nous aurions voulu qu'il soit avec nous. Mais Dieu sait où il envoie ses serviteurs. Prions pour lui, afin qu'il parte, il revienne nous trouver ici, pour nous passions le 31 décembre ensemble. Prions pour nos bien-aimés, prions. Amen. Notre Dieu, notre Père, dans l'ordre missionnaire, tu nous as dit, allez par tout le monde et fais de toutes les nations des disciples. Et c'est cet ordre-là qui est respecté par son serviteur. Partout où il va, il sème la semence. Il va aller en cette fin d'année répondre aux invitations des églises. Précède-le. Amen. En tant que feu dévorant. Amen. Dévore toute opposition au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que partout, la vérité de l'heure soit proclamée avec puissance. Amen. Et que les prédestinés soient appelés et soient reçus, soient convertis. Amen. Et que le peuple de Dieu soit rassemblé pour recevoir les conseils divins. Et que ces jours-là aussi, nous sommes un seul peuple, amen, avec un seul berger, amen. Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ton serviteur, bénis sa maison qui reste, accompagne-le, ramène-le en paix. Amen. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Nous restons debout pour prier pour notre frère Abro. On prie pour Abro et puis après, le frère Mathias va prier pour lui. Seigneur notre Dieu, ton serviteur Abro est debout devant toi. C'est toi qui l'as appelé, c'est toi qui l'as élu, c'est toi qui l'as choisi. Bénis-le, maintiens-le, guéris-le, bénis-le. Fais-lui grâce, Seigneur Jésus. Continue de marcher avec lui jusqu'à ce que tu viennes le chercher. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Frère Mathias va prier. Notre Seigneur et notre Dieu, notre Sauveur Tout-Puissant. Amen. Il nous a été dit par la bouche de Jean-Carie que dans la maison de David, Dieu nous a suscité un puissant Sauveur. Amen. Un puissant Sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Amen. Et qui nous permet, après que nous soyons délivrés, de le servir dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Amen. Et tu as dit par le prophète Ésaïe, votre Dieu viendra lui-même. Amen. Il viendra lui-même et vous Amen. Sauvera. Amen. Alors, les yeux des aveugles s'ouvriront. Amen. Pour nous, nous savons que cette prophétie biblique a été déjà accomplie. Amen. Tu es venu toi-même. Amen. Dans la personne de Jésus-Christ, tu as accompli triomphalement l'œuvre de la rédemption. Et tu as crié dans le triomphe de ta victoire que tout est accompli. Tout est accompli, inclut la guérison de notre frère Abro Clément. Ton serviteur, tu lui as tout pardonné et nous croyons que tu le guéris entièrement. Parce qu'il est écrit, mon âme loue, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui, le Seigneur, l'Éternel, qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Tu peux nous châtier, mais tu sais nous consoler et nous guérir. Au nom de Jésus-Christ, que ton serviteur, pendant que tu as accordé la guérison à son âme, tu as pardonné ses iniquités, que ses yeux s'ouvrent. Nous ne pouvons pas, oh notre Dieu, t'ordonner. Amen. Nous te supplions, nous te demandons,
Et par la foi, nous te rendons grâce. Parce que Bartimée ne savait pas quel jour ses yeux allaient s'ouvrir. Mais ce jour-là était arrivé et ses yeux furent ouverts. L'aveugle-né ne savait pas que c'était le jour de son jour. Mais quand le jour fut arrivé, ses yeux furent ouverts. Nous avons prié, mais rencontre notre frère. Rencontre-le, que ce soit ici ou à la maison, et dis-lui, tes yeux sont guéris. Et alors, nous le verrons sautant de joie, comme le paralytique dans ta maison. Oh, que ton nom soit loué. Nous croyons que tu as réservé ces choses pour cette fin de temps, pour augmenter notre foi et pour manifester ta grâce. Personne ne mérite quoi que ce soit dans ta présence. Mais tu nous donnes tout par grâce à cause du rachat qui a eu lieu. Bénis ton serviteur au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Mon frère Aka était là tout à l'heure. Il est là? Où il est? C'est pas la peine, il peut rester là-bas. C'est que je suis très heureux de le revoir. L'autre jour, après le culte, il était fatigué, il était couché de l'autre côté. Et le Seigneur l'a rétabli. Oui, mon frère, c'est la joie, c'est pas la peur. Viens. Parce que la dernière fois, je l'ai vu ici. Quand on dit levez-vous, il s'assoit et puis il est tranquille. Dieu te bénisse. Et puis après, il a demandé à son épouse, il dit, oh, il se porte pas bien, il était couché là-bas. Et hier, il était virulent. Ce matin, il est suivi, il a même prié pour nous, qui étions fatigués. Dieu te bénisse. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Qui est heureux? Si quelqu'un vient dans la présence du Seigneur et n'est pas heureux, il a un problème. Si vous n'êtes pas heureux ici, vous ne serez jamais heureux ailleurs. Jamais. On peut vous donner des milliards, les milliards ne vous rendront jamais heureux. Ceux qui ont un milliard, ils se suicident souvent. Mais celui qui a la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre comment quelqu'un qui n'a rien, c'est-à-dire matériellement, hein, il n'a rien. Nous sommes aujourd'hui à quelque part de la fête de Noël. Allez, les rues sont blindées parce que les gens achètent, ils achètent. Hier, en partant du mariage, on a eu, comment dire, on est passé par, c'était près de l'ancienne route, on est passé par la vieille route. Mais ces gens que j'ai vus, et des grands bagages, on est resté sur un kilomètre, près d'une heure, à Gamela. Les gens achètent, ils achètent, ils achètent, ils achètent. Ils vont fêter. Ils vont fêter pour combien de jours? Combien de jours? Mais nous fêtons tous les jours. Celui qui a Christ, il a tout. Il a la paix de Dieu qui supporte tous les gens. Les gens ne peuvent pas comprendre comment quelqu'un, il n'a pratiquement rien et puis il est heureux. Mais il a la plus grande chose. Il a Jésus-Christ. Et quand on a Christ, quand on a son esprit, c'est en nous, nous sommes vraiment heureux. Vraiment heureux. Vous ne pouvez pas comprendre comment un homme comme Paul, lui-même, il était malade. Et pourtant, les vêtements qui tu sais encore guérissaient les autres. Et il était heureux. Il était heureux. Alléluia. Et si tu n'es pas heureux ce matin, si tu as un problème particulier, tu peux venir nous voir, on va prier pour toi. Il ne faut pas entrer dans la nouvelle année avec des problèmes. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a donné de d'inviter toute l'église le 25. Qui veut venir? Le 25 décembre, pas pour fêter Noël. Nous venons pour prier dans le jeûne. Vous allez manger les poulets, vous allez acheter le soir, cette fois. Mais venez le matin, on va rester jusqu'à 16 heures. Faites un effort, soyez là. Ce n'est pas de longue prédication, non. Nous allons venir prendre des passages et prier. Jusqu'à 16 heures. Afin que cette vieille année parte avec nos vieilles habitudes.
qu'elle parte avec nos vieilles maladies, qu'elle parte avec notre incrédulité, qu'elle parte avec nos faiblesses. Et que si on nous souhaite la bonne année, ce soit une véritable bonne année. Ce qu'on n'a pas pu avoir, si quelqu'un n'a pas encore lu le baptême de cet esprit, que maintenant mais Dieu le lui donne. Il n'y a pas un temps. Il n'y a pas un temps. Donc, le 25 à 9h, nous souhaitons que l'église soit remplie comme ça. Dites à ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, si vous n'êtes pas vraiment empêché, venez, c'est pour vous-même. Venez confier votre vie, votre famille, vos enfants, votre pays, votre famille, tout au Seigneur. Amen. Vous savez que le frère Mathias, le 25, il sera quelque part et ils vont se réunir là-bas. N'est-ce pas, frère Mathias? Alors, ce n'est pas nous qui allons rester à la maison. Venons ici, dans la prière, dans le jeûne. Si quelqu'un ne veut pas jeûner parce qu'il prend des médicaments, ce n'est pas un problème. Qui a bien compris? On ne s'efforce pas. Non, non. Si tu prends des médicaments, prends tes médicaments, mais sois dans une attitude de prière. Vous allez voir que les gens vont passer le temps, le temps de Noël, là, c'est un temps où les gens pêchent davantage. Pour vous qui êtes jeunes, vous ne connaissez pas l'histoire suffisamment, l'histoire d'Abidjan. C'est un jour de Noël que le patriarcat a été brûlé. Qui est au courant? Toi, tu étais là? ce jour-là, qui a été informé ce jour-là que... Levez-vous ceux qui étaient informés. Qui étaient là, qui étaient adultes. Ce n'est pas tout le monde, hein? Regardez les jeunes là, regardez. Vous voyez? Il n'y a que ces quelques personnes. Le Pacha Club, c'était un nightclub. C'est-à-dire que, comment on appelle, une boîte de nuit réputée à Abidjan. Et les gens vont pêcher, ils ont choisi Noël. Pour aller pêcher, et puis ils ont été brûlés. Alors, toi, viens prier le Seigneur. Il ne faut pas aller dans une boîte de nuit. Il ne faut pas choisir, asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. Il ne faut pas choisir Noël pour aller à la plage. Venez vous asseoir. Est-ce qu'on a bien compris? C'est une transition. Nous devons passer le temps dans la prière. La Bible dit prier sans cesse. Et tous les bons moments, les occasions doivent être données pour qu'on puisse prier. Alors que Dieu vous bénisse. C'est maintenant que je vais commencer la prédication. Et... donc, à midi, on a fini, si Dieu le permet. On peut commencer, hein? Bon, levons-nous, on va lire deux textes de base. À midi, si Dieu le permet, on aura fini. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Amen. Nous lisons aussi Jean, chapitre 15, verset 16. Et puis on s'assoit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai choisi. Amen. Et je vous ai établi. Amen. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Amen. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Frère, Oulaï, tu vas prier. Oulaï.
Nous voulons encore te remettre ton serviteur. Nous sommes là pour t'écouter. Parce que c'est ta parole qui donne la vie. Nous te prions de bénir ton serviteur. Qu'il soit un instrument entre tes mains pour parler à tes élus que nous sommes. Seigneur, prépare-nous par ta parole et donne-nous l'oreille des disciples. Déblaye nos entendements et dispose nos cœurs. Et que tout esprit de distraction s'éloigne de nous. Rends-nous attentifs, parle. Nous sommes à l'écoute au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Le choix de Dieu. Amen. Le choix de Dieu est tellement important. Nous allons en parler plusieurs semaines, si Dieu le permet. Et dans Deutéronome chapitre 7, Dieu a dit à Israël, tu n'es pas le peuple le plus nombreux. Tu n'es pas sage. Tu es un peuple au cou raide. Mais je t'ai choisi parce que je t'aime. Amen. Donc le choix de Dieu est basé essentiellement sur l'amour de Dieu. Alléluia. Nous qui sommes ici, moi qui vous parle, je ne mérite même pas d'être ici. Mais Dieu m'a choisi. Il t'a choisi, il nous a choisi parce qu'il nous aime. Alléluia. Maintenant, il a dit à Israël dans Deutéronome chapitre 9, je t'ai choisi, mais ne dis pas en ton cœur, c'est parce que tu es juste. Qui a bien compris? Il y a des points d'ancrage pour lesquels il vous fait lever. Il ne fait pas lever la main comme ça. Il ne faut pas que quelqu'un dise, moi je suis tellement bon que Dieu m'a choisi. Tu es peut-être l'homme le plus vil. Mais Dieu t'a choisi parce qu'il t'aime. Amen. Il t'aime parce qu'il te connaissait dès avant la fondation du monde. Amen. Dans sa préscience, il te connaissait. Amen. La préscience de Dieu, c'est un attribut de Dieu, c'est une faculté de Dieu qui permet à Dieu de connaître les choses d'avance. Amen. Tout à l'heure, je vous ai dit que je suis venu à Yaobu, c'est le village du frère Abro, en 72, et c'est là que j'ai reçu le message. Mais pourquoi Dieu ne m'a pas envoyé ailleurs? Je n'avais pas demandé spécialement Yaobu. Et toi-même, là où tu es allé, tu as reçu le message là. Peut-être que tu n'as pas voulu aller là-bas. Et toi qui es allé acheter Bofroto, et puis on t'a servi dans une page d'une brochure. Toi qui es allé sur Internet, et puis tu vois, l'église d'Abidjan. Même avant l'église d'Abidjan, tu as cliqué, tu vois le site du frère Barillier. Ah, c'est bon. Il y a des frères qui ont écrit à frère Barillier, ils ont reçu une pile de brochures. Ils sont convertis. Mais pourquoi? Pourquoi ton voisin qui avait lui, pourquoi celui qui t'a apporté la première brochure est reparti dans le monde? Est-ce que vous comprenez les questions? Okay. Qui comprend? Quelqu'un est venu, il a dit, ouais, quelque chose, c'est bon. Il y a une nouvelle doctrine là, c'est très bon. Pourquoi lui, il est reparti dans le monde? Pourquoi? Pourquoi l'un des deux brigands continuait d'insulter le Seigneur? Les deux ont commencé à l'insulter. Mais il y a eu une illumination. Il y a eu une compréhension subie, soudaine, la part de l'autre. Il dit, mais pourquoi toi tu l'insultes? Nous, on mérite ce châtiment. Mais c'est un saint. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Seigneur, souviens-toi de moi. Quand il viendra dans ton royaume. Et le Seigneur lui dit, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi? Pourquoi celui-là est sauvé pour l'autre est perdu? Peut-être que c'est lui qui a tué plus de personnes. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Amen. Ce qui est important, c'est l'élection. Amen. Et la Bible dit dans Matthieu 24, 24, que les élus ne seront pas séduits. Amen. Dites un grand amen à cela. Amen.
les élus ne seront pas séduits. Moi, j'ai foi à ça. Amen. Un élu peut tomber, mais il va se redresser. Amen. Il peut tomber 7 fois, mais 7 fois, il va se relever. Amen. Mais ça ne vaut pas la voie à la licence. Non, non, non. Ça ne veut pas dire que... Écoutez-moi bien, regardez ici. Regardez, votre attention. Si quelqu'un qui a des faiblesses spirituelles, puis il dit, bon, moi, je suis un élu, donc je peux chercher des femmes. De toute façon, Dieu va me rappeler. Tu n'es pas un élu. Et tu comprends? Toi, tu n'es pas un élu. Je ne parle pas de toi. Je parle de lui qui est conscient de son élection. Mais un marchand qui a glissé, Dieu va le ramener. Parce qu'il ne peut pas se perdre. Tu es heureux. Il ne peut pas se perdre. Il ne peut pas. Le Seigneur a dit, celui qui me les a donnés, c'est mon Père. Il est plus grand que tous. Et personne ne les ravira de ma main, ni la main de mon Père. Je les ressusciterai, je leur donnerai la vie éternelle. Alléluia. Maintenant, mon frère qui m'écoute, tu m'écoutes, peut-être sur Internet, tu me dis, qu'est-ce que ce vieux-là raconte? Je raconte que si tu n'es pas un élu, tu ne peux pas accepter ce que je suis en train de dire. Le Seigneur a dit, vous n'êtes pas de Dieu, c'est pourquoi vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Oui. Mais la parole de Dieu est pour ceux qui sont de Dieu. Amen. Essentiellement. Ce n'est pas pour tout le monde. Vous savez, l'élection, c'est un choix. C'est un choix. Vous avez vu ici, il y a quelques mois, mais les dernières élections se sont passées. Mais vous voyez, ça mobilise beaucoup de gens. Et puis, on choisit un. Mais toi, le grand Dieu du ciel, tu connaissais avant la fondation du monde. Amen. Et il t'a choisi. Amen. Il est venu à Jésus-Christ à cause de toi. Quand Satan a péché, Dieu l'a chassé. Mais toi, quand tu as péché, Dieu est descendu. Amen. C'est pas merveilleux? Il a pris un corps, il est venu, et puis il est mort à ta place. Tu es enseveli avec lui. Tu es ressuscité avec lui. Il t'a pardonné tous tes péchés. Désormais, il te voit comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Amen. Dites amen. Amen. Ton passé est vraiment passé. Tu es d'accord? Il te voit comme quelqu'un qui n'a jamais péché. C'est ça la justification. Hein? Il t'a justifié. C'est comme un gobelet dans un poulailler. Et que le propriétaire du gobelet, il prend son gobelet. Le gobelet, un poulet, il est comment? Sale, puant, sans mauvais. Mais c'est son gobelet. Il plonge sa main dans le poulailler. Et puis il prend le gobelet. Il justifie le gobelet. Alléluia! C'est ce que Dieu a fait pour toi? C'est ce qu'il a fait pour moi? Chacun de nous était quelque part. Il était sûr que c'était la vérité. Oh yeah! Nous avons appris des choses pendant le mariage de notre fils, celui qui officiait quelque part. Il dit, mais tu auras recherché l'onction d'eau. Voilà. Il parle très bien, mais malheureusement, c'est un égaré. L'onction d'eau. C'est à bannir au nom puissant de Jésus-Christ. L'onction d'eau, c'est le diable. Il ne sait même pas ce que c'est que Dieu. Mais toi, Dieu s'est révélé en toi, en Jésus-Christ. Et il t'a choisi. Il t'a élu. Il t'a élu, pourquoi? Pour le salut. Est-ce que vous comprenez un peu? Il ne t'a pas choisi pour te mettre quelque part et puis tu vas te perdre, non. Il t'a choisi pour que tu partes et que tu arrives à destination. Moi, je dis amen. Amen. Voilà. Parce que Dieu vous a choisi. Quand? Dès le commencement. Dès avant la fondation du monde. Pour le salut. Amen. Vous n'êtes pas heureux? Amen. Vous n'êtes pas venu ici au Koweït pour vous rejoindre dans un groupe? Non. Non, frère. Il y a des groupes plus importants que vous. Oh, si vous allez quelque part, j'ai vu dans une cathédrale. Vraiment, c'est tellement bien organisé, c'est un amphithéâtre, c'est bien. Vous n'avez pas besoin de ces choses-là.
Il y a une aération naturelle. Vous êtes vraiment heureux. Mais malheureusement, vous n'avez pas la vie. Vous n'avez pas la vie. Il y a des belles images. Mais nous n'avons pas de belles images. Nous voulons avoir l'image de Jésus-Christ en nous. Nous voulons avoir Christ en nous. L'espérance de la vie. Alléluia. Alléluia. Il t'a choisi pour le salut. Ça veut dire que depuis qu'il t'a choisi, tu vas passer par, tu vas tomber, tu vas te relever, mais tu dois atteindre l'objectif. Et l'objectif actuel, c'est que nous attendons l'enlèvement. Et s'il t'a choisi, il va te remplir son Esprit Saint. Il va te conduire jusqu'à ce que tu sois enlevé. Oh, il ne croit pas à ça. Vous ne croyez pas, vous avez peur. Il dit, regardez un peu. Voilà le frère, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne nouvelle, cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour du jour, c'est quoi? C'est l'enlèvement. Tu vois, il a commencé un jour en toi, pas une petite brochure, pas un témoignage timide. Pourquoi? Parce qu'il t'a choisi. Il t'a élu pour le salut. Et il a commencé, il va te perfectionner, il va rendre cette œuvre-là parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je vois, mon frère, que tu ne crois pas à ça. Qui ne croit pas à ça? Tu ne crois pas parce que tu as des doutes et tu penses que moi... Est-ce que moi, comme ça, je peux parvenir? Toi, tu ne pourras pas. Moi, je ne pourrais pas. Mais il a dit à Israël, tu n'excèdes pas le peuple plus nombreux. Tu n'es pas le meilleur peuple. Mais je t'ai choisi parce que je t'aime. Amen. Et puis, si je t'aime, je t'ai choisi pour le salut. Qui a bien compris? Ce n'est pas parce que tu as quelque chose, hein? Si tu t'examines, tu vois, tu verras que, oh frère Isaac, moi là, quand j'ai fait des songes, je suis toujours avec les revenants, mais ça n'a rien à voir avec ça. Il faut avoir le pouvoir de dire à ces revenants-là, arrière de moi. Et ils vont fuir. Ils vont fuir. Ils ne vont plus te fréquenter. Ce sont les démons. Frère, moi, je suis là, je ne lis même pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Il permettra que tu sois capable d'obéir. Si tu as choisi, il va te rendre capable. Alléluia. Alors, voilà. Mais parce que l'Éternel vous aime. Amen. Qui veut retenir quelque chose? Qui veut retenir quelque chose de tout ce que j'ai dit? L'amour de Dieu. Amen. Il dit seulement, je suis là, j'ai reçu ces messages de l'enlèvement, parce que l'Éternel m'aime. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher toujours en Jésus-Christ. Si tu ne passes pas par Jésus, tu ne peux pas triompher. Mais il nous a choisi, il nous a rempli son esprit, et nous sommes toujours triomphateurs. Voilà. Grâce à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Oh, ça, c'est le témoignage de notre vie. Quand il nous a choisis, il fera en sorte que nous puissions sentir bon. Et que notre témoignage puisse amener d'autres personnes à la conversion. C'est lui qui va le faire. Ce n'est pas toi. Et tu comprends? Toi, tu ne veux pas convertir quelqu'un? Sinon, tu voulais convertir tout ton village, toute ta famille, tu voulais convertir ta femme, ton mari, les gens que tu aimes. Tu ne peux pas le faire. C'est Dieu qui le fait. Et quand il le fait pour des bons. Alléluia. Je vous ai choisi pour le salut. Ce n'est pas pour venir
au Koweït pour s'arrêter là. Ceux qu'il a fait sortir par la main du libérateur, c'est-à-dire par Moïse, il les a conduits jusqu'à la terre promise. Amen. Ceux qui étaient prédestinés sont arrivés. Ils ne sont pas arrivés. Ils sont arrivés, les autres sont morts. Mais je crois que nous allons arriver. Parce qu'il nous a choisis. Ceux qui n'étaient pas prédestinés, alors ils sont allés, ils ont vu qu'il y a des fils d'Anak. À leur côté, ils sont des sauterelles. Mais quelqu'un qui a été choisi par Dieu, un de lui ne dit pas ça. Il dit, tous les sorciers de mon village réunis, ils sont des sauterelles. Amen. Amen. Ils ont peur. Vous n'avez peur? Non. Qui n'a pas peur? Un élu n'a pas peur. Amen. Tous les sorciers de ton village réunis là, ils sont comme des sauterelles. Amen. Voilà. Amen. Et les filles d'Anak, devant nous sont comme des sauterelles. Amen. Et la parole dit, on va lire un passage. J'ai dit que je vais m'arrêter à midi. Je vous montre la puissance de l'élection. On est élu. Dieu va nous conduire jusqu'au bout. Amen. Et nous serons élevés. Amen. À moins qu'on ne soit pas élu. Ça, c'est autre chose. Un élu ne sera jamais séduit. Amen. Un élu qui tombe dans le péché, il n'est pas heureux. Amen. Qui a compris ça ici? Un élu, quand il tombe dans le péché, il n'est pas heureux. Il est triste jusqu'à ce que le problème soit réglé. Mais si toi, tu peux te complaire dans le péché, tu n'es pas un élu. Je ne parle pas de toi. Hein? Toi qui peux dire, oui, on peut vivre mal. Hein? Je peux prendre deux femmes. Non, tu ne peux pas prendre deux femmes. Qui a compris? Un élu ne prend pas deux femmes. Un élu est ramené au commencement. Au commencement, il y avait un homme et... une femme. Mais si tu convoites les autres femmes, tu veux prendre deux femmes, tu n'es pas un élu. Moi, je ne crois pas. Mais si tu as eu des femmes avant, ça c'est autre chose. Hein? Ça en deux fois. Mais si tu viens ici, tu as été battu au nom de Dieu. Et puis tu convoites ton confrère. Vraiment, la soeur, elle n'est pas suffisante. Ma soeur Lucie, réveille-toi. Lucie, réveille-toi. Je sais que tu as fait une bonne cuisine, je suis au courant. Ouais, nous on est là, on est au courant de tout. Hein. Je sais que tu étais là-bas, tu faisais la bonne, le chef. C'est pas vrai? Et que toi tu m'as dit ça, moi je suis au courant. On est au courant de tout. Pas de tout, mais on est au courant, quand même au courant. Donc je sais pourquoi tu dors. Dieu te bénisse. Amen. Un élu ne peut pas se perdre. Amen. Mais si quelqu'un dit, moi je suis un élu, mais moi je vis dans le péché, parce que Dieu, non, ce n'est pas un élu. Un élu qui tombe dans le péché, il pleure. Il pleure. Mais si Dieu l'a. Si des frères ne savent pas, mais lui, il sait, il pleure. Et Dieu va le réhabiliter. Amen. Comme David a été. David était un élu. Amen. Qui est d'accord? Quelqu'un qui prend une femme, il prend la femme de quelqu'un, il tue son mari. Hein? Et puis Dieu dit de lui, c'est l'homme selon mon cœur. C'est un élu. Amen. Mais vous allez voir comment c'est David a souffert. Et il a accepté toutes les souffrances. Il a accepté. Mais quand ce gringalet, cet homme le insultait, quelqu'un voulait aller le tuer, il dit non, laisse-le. Peut-être Dieu veut passer par là pour me sauver. Alléluia. Un élu, il cherche. Si un élu est tombé dans le péché, il cherche tous les moyens pour sortir de là. Amen. Il n'est pas heureux. Amen. Si toi tu es heureux dans le péché, tu n'es pas un élu. Amen. Vous qui enseignez qu'on peut prendre deux femmes, trois femmes, quatre femmes, et puis être enlevé, vous êtes des menteurs. Amen. Vous êtes des menteurs. Parce que le message que nous avons reçu, c'est le rétablissement de toutes choses. Il nous ramène au commencement. Amen. Au commencement, il n'y avait pas deux femmes. Pour Adam. Non. Il faut qu'on me le prouve. Amen. Amen. Dieu a dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Amen. Pas deux, pas trois. Amen. Alléluia. Amen.
Et nous avons été ramenés par ce message de la vérité au commencement. Dites-moi quel apôtre a pris deux femmes. Paul n'était même pas marié. Pierre avec une seule femme. Alors, vous êtes en train de tromper les gens. Hein, vous êtes dans le message. Il y en a qui disent que nous, on n'a rien compris. C'est vous qui n'avez rien compris. Parce que le message, ce n'est pas une organisation. C'est un retour à la parole intégrale. Et à toute la parole. Au commencement, il y avait un homme, une femme. À la fin, ça doit être la même chose. Cette église qui a commencé à la Pentecôte doit demeurer la même. Jusqu'à la fin. Elle a été puissante au début, elle sera puissante à la fin. Et nous aussi, nous devons être puissants. Mais on ne peut pas être puissant quand on vit dans le péché. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il nous a choisis dès le commencement pour le salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour là, écoutez, en français, pour introduit un but. Tu as bien compris? Il ne t'a pas choisi pour que tu viennes grossir l'église de Kouwait, non. Il t'a choisi, même si tu es quelque part, tu seras enlevé. C'est pour le salut qu'il t'a choisi. Amen. Et puis, il t'a choisi, il va te sanctifier. Vous n'êtes pas heureux? Il va se sanctifier. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du gobelet qui était perdu dans le poulailler. Le fait de le prendre, il a été justifié. Mais il va te sanctifier. Alléluia. Ramenez dans le texte de Thessaloniciens. Vous voyez ça? Regardez un peu. Lisez-le avec moi. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur. Ah, qui est frère bien-aimé du Seigneur? Quand on parle des frères bien-aimés du Seigneur, on ne parle pas des frères de Jésus. Des frères de la chair. Non. On parle des frères dans le Seigneur. Parce qu'il est, notre aîné. Alléluia. Dans Romains chapitre 8, verset, je crois, 20, combien? Vous allez voir que il est notre aîné. Alléluia. Voilà. Romains 8. Voilà. Car ceux qu'il a connus d'avance, amen, il les a aussi prédestinés, il les a aussi choisis. Âme. Est semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de plus beaucoup de frères. Amen. Alléluia. Il t'a choisi, et ton grand frère, c'est qui? Jésus. C'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu as choisi, tu es fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, tu reçois la grâce de Dieu. Amen. Tu reçois l'Esprit de Dieu. Amen. Et tu deviens hérité de Dieu. Amen. Allez, on va repartir dans Romains chapitre 8, avant de, vous allez voir que nous sommes choisis pour être des fils de Dieu. Alléluia. Romains chapitre 8. D'abord, le verset premier. Qui va le lire pour nous? Allez, lisez pour nous. Je suis très heureux parce que je suis parti intégrant ce qui avait été lu. Allons-y. Allons-y, mon frère. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Frère Mathias, tu n'es pas content? Pourquoi? Parce que nous avons été élus. Amen. Pour le salut. Amen. Et ça endort des gens. Bouscule ton voisin. Vous suivez ton voisin qui dort. Si vous avez vu, comment un député jubile quand il a été élu, l'église sera vraiment en mouvement. Donc un député est premier dedans. Mais toi, tu as été élu dès avant la fondation du monde pour le salut. Et puis tu dors. Que Dieu te fasse grâce.
C'est pas pour 5 ans, hein? Non. C'est pour l'éternité. Moi, je suis heureux. Quand je lis ces choses, le diable ne peut pas venir et dire, non, toi, là, c'est, tu parles, mais tu ne pas dans. Mais Satan, sors! Un jour, Satan était dans la voiture du frère Branham. Et puis, il lui dit, Branham, toi, tu perds ton temps, hein? Jésus n'est pas Dieu, hein? C'est un juif que les Romains ont tué. Et tu perds ton temps avec ça? Il s'est arrêté, il dit... Le frère s'est arrêté. Non, quand on est choisi, on ne peut pas être séduit. Amen. Il a arrêté la voiture. Il dit, Satan, écoute. Amen. Il est venu pour me sauver. Le salut, de qui? C'est toi qui m'a donné? C'est lui. Amen. Il m'a donné son Esprit Saint. C'est toi qui m'a donné? C'est lui. Amen. Les cancers guérissent. Les morts ressuscitent. C'est toi qui fais ça? C'est lui. Et j'ai la vie éternelle, c'est toi qui fais ça? Satan, la porte de ma vie est ouverte. Sors! Sors! Et puis il est sorti. Est-ce que vous comprenez un peu? Ne prenez pas les choses à la légère. Si vous êtes en train de. Vous êtes un chrétien, et puis quelquefois, les idées bizarres comme ça viennent dans votre tête. Il ne faut pas penser que c'est, ça vient de vous. Hein? Non, non, non. Il faut rejeter cela. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le diable, il tâte le terrain. Il tâte. Quand il a été vaincu, après le jeûne de Jésus, il a été vaincu et puis il s'en va jusqu'à ce qu'il trouve un autre temps favorable. Mais il ne trouvera jamais un temps favorable. Il nous a choisi pour le salut. Amen. Voilà, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Il en a trouvé? Non. Est-ce qu'il a trouvé? Non. Même à la croix, c'était l'un de ses disciples qui était à côté de lui. Toi, là, tu dis que tu es fils de Dieu. Descends. Et puis tu vas faire descendre aussi. C'était lui qui parlait. Et il voulait que Dieu, Jésus, descende. Non, Jésus n'a rien dit. Parce qu'il devait passer par là. Amen. C'était le plan bien conçu de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que la tombe n'a pas été capable de retenir. Amen. Et la tombe ne peut pas te retenir. Amen. Même si tu meurs aujourd'hui, tu n'es pas encore mort. Alléluia. Tu vas sortir de là pour être enlevé. Amen. Par contre, tu as été choisi pour le salut. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Et on voit que dans le texte, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais comment on peut condamner celui qui est en Christ? Regardez ici. Réveillez-vous. Juste en train de finir, il dit à midi, il finit. Hein? Comment on peut condamner celui qui est en Christ? Vous savez pourquoi Dieu n'a pas condamné Adam? Quand Ève a péché, Adam était à côté d'elle. Elle lui a donné aussi le fruit et il a mangé. Mais pourquoi Dieu n'a pas condamné Adam? Ah, vous ne savez pas ça. Parce qu'il ne peut pas condamner Adam sans condamner. Il ne peut pas condamner Ève sans condamner Adam. Donc, les deux sont la même personne. Alléluia. Mais toi qui es en Christ. Alléluia. Nous sommes en Christ. Il n'y a aucune condamnation. C'est pour cela que nous n'avons pas besoin de passer par le purgatoire. Les autres veulent passer par là. Nous sommes déjà en Christ. Il n'y a aucune, quand on dit en français, aucune, pas la petite condamnation, même un reproche. Il n'y a pas un petit reproche. Et je suis heureux. Aucune condamnation. Amen. Alléluia. Amen. Alors, et ceux qui ont été élus dès avant le Seigneur lui-même, il nous sanctifie. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous lave, Alléluia. Il nous purifie, Alléluia. il nous blanchit, Amen. Et puis, il nous met à part. Amen.
Il n'y a pas pour lui. Parce que c'est un Dieu jaloux. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas ajouter à ta foi autre chose. Tu as compris, ma soeur? Reste à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un Dieu jaloux. L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé comme une vierge pure. Et je suis jaloux de vous, du jaloux de Dieu. Pour vous présenter à Christ. Amen. De peur que le tentateur, celui qui a séduit Ève, nous séduise. Et prie pour nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je suis jaloux de vous, du jaloux de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Vous savez, tous les qualificatifs qui sont employés ne sont pas gratuits. Une vierge peut ne pas être pure. Mais nous sommes des vierges pures. Et c'est Dieu qui nous purifie. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous voyons dans le premier texte qu'on a lu, ramener le premier texte, dès le commencement, il nous a choisi. Voilà. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit. Est-ce que vous comprenez un peu? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est son esprit, c'est la paix, c'est le repos, c'est Christ en nous. Donc il nous a choisi comme le comment on appelle, le gobelet dont je vous ai parlé. Mais quand on prend le gobelet, on peut s'en servir? Il faut le laver. Il faut, comment on dit, il faut le stériliser. Alléluia. Il faut mettre de l'eau de javel pour tuer tous les microbes. Et avant de l'utiliser. Alors, il nous a choisi et il nous sanctifie lui-même. Il enlève toutes les impuretés, il nous lave, il nous rend propre et il dit, je suis ton Dieu. Tu es mon peuple. Alléluia. Vous savez pourquoi? Le message de la fin des temps. Allons-y dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6. Pourquoi le message que nous avons reçu est un appel à sortir? Alléluia. C'est un appel à sortir. Voilà. Dieu nous a choisis et nous sanctifie, il nous purifie, nous nettoie et nous garde comme jalousement pour lui. C'est pourquoi aucun démon ne peut nous toucher. Aucun. Nous appartenons à Dieu. Voilà ce qu'il écrit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous les joues étrangers. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Regardez ici. Quel rapport qu'il y a entre la lumière et les ténèbres? Aucun. Il nous a choisi pour nous faire passer dans la lumière. Et nous sommes même lumière. Alléluia. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part à le fidèle et les fidèles? Réveillez-vous ici. Si on est fini, à midi est fini. Hein? Regardez ici. Mes soeurs, regardez ici. Il ne faut pas te mettre avec les infidèles. Ou les jeunes filles là. Si une jeune fille vient vous causer, non, toi tu es là, tu n'es pas encore marié. Dans votre église, on ne se marie pas. Oh. C'est le diable qui parle comme ça. Hein? Le diable, il était un méchant. Il dit des choses fausses. Dans votre église, on ne se marie pas. Oh. Est-ce que c'est vrai? Non. On célèbre tous les mariages ici. Mais on fait de vrais mariages. Amen. Des mariages bénis. Amen. Dans votre... Toi, tu es là-bas encore? Au couvert, là. Oh, moi, je suis marié déjà. Il n'y a pas de problème. Sois marié déjà. Mais elle attend son tour. Amen. Et Dieu lui va lui donner la personne qu'il a prédestiné pour elle. Amen. Elle sera heureuse. Amen. Parce qu'elle est sauvée, elle a été choisie pour le salut. Amen. Elle ne doit plus vivre dans le désordre. Amen. Les gens, qui comprend ça? Les filles, là. Levez bien la main. Amen. Non, on comprend. Plus haut. Dieu vous bénisse. Ne vous laissez pas entraîner par des jeux étrangers. Oh non, toi, chez vous, là. Vous voyez, moi, j'ai deux bébés. Elle n'a qu'à avoir 10 bébés.
Ce n'est pas un problème. Dieu va te donner, t'en donner. En son temps. Et tu seras heureuse. Elle peut avoir dit bébé, elle reçoit chaque jour aussi 10 coups de poing. De temps en temps. Mais toi, Dieu va te donner quelqu'un qui va te chérir. Alors, moi, j'ai entendu ça. Dans votre église, on ne se marie pas. Ce n'est pas vrai, Satan. Arrière de moi. On se marie dans le Seigneur. On ne se marie pas dans le désordre. Amen. Alors, il ne faut pas vous accorder avec les disciples. Quel rapport y a-t-il le temple de Dieu et les idoles? Le temple de Dieu, c'est qui? C'est toi. C'est moi. Il t'a choisi pour qu'il t'habite. Tu es son temple. Et ce temple est pur. Alléluia. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Quand Dieu habite, il marche au milieu de nous, nous sommes en paix. Est-ce qu'il a dit dans Deutéronome chapitre 9, votre Dieu, sache votre Dieu, marchera lui-même devant vous. Comme un feu dévorant. Il va dévorer toutes les oppositions. Vous allez avancer sûrement jusqu'à la destination. Alléluia. Amen. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. C'est pourquoi. Tu comprends? Tu as été choisi, tu as été élu. Sors du paganisme. Sors des traditions. Sors de la confusion religieuse. Oh, Dieu soit béni. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Alléluia. Amen. Dit le Seigneur, Tout-Puissant. Amen. Dit le Seigneur, Tout-Puissant. Il ordonne et la chose. Amen. Vous n'êtes pas heureux? Amen. Il est Tout-Puissant. Maintenant, c'est un noir qu'un démon te parle. Dit non, mais pourtant, toi, tu as des problèmes. Mais Dieu a déjà réglé tous ces problèmes. Amen. Accepte la solution que Dieu te donne. Amen. Et dit, je marcherai parmi vous comme un feu dévorant. Il va dévorer toute opposition, toute influence satanique. Il va dévorer le chemin. Cette voie sainte d'Esaïe 35 va être libérée. Et tu vas arriver à destination. Il t'a choisi, pas pour tes pères, pour le salut. Par la sanctification de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient et te nettoie et te lave. Alléluia. Et il fait de toi un fils de Dieu. Amen. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous repartons dans Jean chapitre 15. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Amen. Je suis très heureux, je suis rassuré. Amen. Parce que c'est lui qui m'a choisi, je suis tranquille. Amen. Vous savez, quand vous conduisez... vous êtes dans une voiture et que quelqu'un conduit, quelqu'un dessus conduit, vous êtes tranquille. N'est-ce pas? C'est humainement parlant. Un accident peut arriver, mais au moins, vous. Moi je dors souvent. Hein. Moi, je dors souvent. Hein. Je prends un véhicule, je dors tranquillement. Je ne m'occupe pas de ce qui va se passer. Hein. J'ai prié, tout ça, et tout monté. Je dors. Je dors tranquillement, on arrive. Ah, on est arrivé, on est arrivé, il faut descendre. Parce que j'ai le repos. Parce que toi aussi, tu as le repos. Tu as la paix de Dieu qui suffit toute intelligence. Et manifeste cette paix en toi, mon frère. Il ne faut pas être toujours inquiet, toujours
inquiet. Qu'est-ce que la fête arrive? On va manger quoi? Mais tu as besoin de chercher ça? Non. N'est-ce pas? Il y a une soeur qui m'a rendu son témoin à la réunion de prière hier ou ce matin. Elle n'a rien. Elle est là, ma soeur. Elle n'a rien. Et puis elle dit, bon, mais elle n'a que 1000 francs. Comment je vais faire à la, cette fin d'année? Bon, mais je crois que Dieu va... Et puis, une de ses soeurs l'appelle de Londres, ou bien du Canada, et lui envoie un mandat. Amen. Dites un grand amen. Amen. Elle lui a pas dit, je n'ai rien à manger, envoie-moi l'argent. Notre foi repose pas sur les hommes. Elle repose sur la puissance de Dieu. Amen. Le Dieu des miracles. Amen. Et puis elle se retrouve avec beaucoup d'argent. Et elle va bien fêter. Mais toi, peut-être que quand on a parlé de jeûne et prière, tu penses à comment je vais manger. Non. Laisse ta bouche à Dieu. Tu as bien compris. Amen. Il va te nourrir demain. Amen. Il va te donner plus que toi tu ne peux fournir. Amen. Aie confiance en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Amen. Et je vous ai établi. Amen. Alors, j'ai essayé de chercher un peu ce que veut dire établir. Ceux qui prêchent la parole de Dieu, ils vous demandent d'avoir un bon dictionnaire. Amen. N'enseignez pas n'importe quoi. Qui a bien compris? Il ne faut pas raconter des choses aux gens. Moi, je suis acquis, je ne suis pas français. Hein. J'ai eu connaissance du français, mais c'est limité. Donc, si je veux m'asseoir, me tenir ici, j'ai dit, je voulais voir ce que veut dire établir. Il faut y voir. Donc, il dit, je vous ai choisi, pas seulement il a choisi, mais je vous ai établi. La prochaine fois, on va voir comment il a choisi Pierre, comment il a établi. Comment il a choisi Bessalé, comment il a établi. Comment toi, tu as choisi, comment il t'a établi. Ici, je vous ai établi. Alors, j'ai cherché ce que vous avez établi. Il y a tellement de définitions, mais j'ai retenu quelques mots qui vont avec ce que nous croyons, notre test un peu. Le premier que j'ai retenu, c'est installer. Amen. Je croyais à ça avant de continuer mon dictionnaire. Mais il voulait vérifier. Vérifier tout. Il ne faut pas venir s'aimer le doux dans la tête des gens. Vous voulez dire quelque chose à quelqu'un? Si vous n'êtes pas sûr, dites-le avec réserve. Amen. Donc, j'ai vu établir, installer. Il nous a installés. Amen. Nommé. Il nous a nommés. Intronisé. Amen. Ça, je crois à ça. Amen. Par contre, allons nous asseoir sur son trône. Amen. Il y a beaucoup de mots, hein, synonymes, mais il y a plus quelqu'un intronisé. Amen. Nous avons reçu une promesse, c'est un mauvais. Celui qui vaincra s'assoira sur mon trône. Amen. Je vais l'introniser. Amen. Et si on t'introduit, tu dis quoi? Tu deviens quoi? Roi! Alléluia! Alors, donc il y a nommé, intronisé. Et puis, le dernier que j'ai retenu, c'est faire régner. Faire régner. Alléluia! Amen. Voilà. Il nous a établi. Il nous a d'abord choisi, élu. Il nous a établi pour que nous portions beaucoup de fruits. Afin que tout ce que nous demandons au Seigneur, en son nom, il nous l'accorde. Amen. Il veut nous faire régner. Yeah. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Il ne nous a pas choisi pour que les démons dominent sur nous. Non. Je suis en train de terminer. Qui comprend ça? Dieu ne t'a pas choisi pour que les démons dominent sur toi. Amen. Pour que ton corps domine sur toi. Pour que ton moi domine sur toi. Pourquoi ta vieille nature domine sur toi? Non. Il t'a affranchi. Amen. Il t'a établi. Amen. Il t'a intronisé. Amen. Pourquoi tu règnes? Amen. Avec lui un jour. Que Dieu Amen. Soit béni. Amen. Alléluia. Nous terminons avec, j'ai encore 5 minutes, j'ai dit.
Nous terminons avec Romains 8. Il n'y a pas de condamnation pour nous. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Dites un grand amen. Il nous a lavé, il nous a donné son esprit, nous sommes fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Amen. Regardez ici. Amen. Qui a bien compris ça? Il y a des frères qui sont encore dans la crainte. Oh, la fin de l'année approche, on a attaché des gens, on va les manger, mais ce n'est pas toi. Amen. Moi, on ne peut pas m'attacher, hein. Tu ne peux pas m'attacher. Encore moins me manger. Il y en a qui disent, amen, mais ils sont craintifs. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Qui a compris cela? On a été choisi, on a l'esprit de Dieu, on ne doit plus être craintif. Nous pouvons ordonner aux démons de fuir, ils vont fuir. Amen. La Bible dit, résister au diable. Amen. Pas un démon, hein. Qui voit la différence entre le diable et le démon? Qui voit la différence entre le diable et les démons? Qui ne sait pas la différence? Non, levez-moi la main. Qui ne sait pas la différence entre le diable et les démons? Pourquoi vous... Levez votre main comme moi. Voilà ceux qui ne savent pas la différence entre le diable et les démons. Bon, je vais vous expliquer. Le diable, c'est Satan. C'est l'adversaire. Vous comprenez? C'est lui qui mettait le sou à la perfection. Et il voulait prendre la place de Dieu. Vous savez que, écoutez ici, écoutez. Vous qui êtes assis là, moi qui suis debout, ce que nous pensons, Dieu le sait. Mais le diable ne veut pas le savoir. Sinon, il serait omnipotent. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui comprend cela? J'ai terminé. Hein? Le diable ne veut pas savoir. C'est quoi tu ne dois pas parler beaucoup. Quand tu as un projet là, il faut le taire. Qui a bien compris? Il ne faut pas parler partout. Dois-tu le prendre? Oh, ouais, moi, je vais faire ça, je vais continuer ça demain. Non. Laisse tes états sortis. On va voir. Parle à Dieu. Seigneur, donne-moi des moyens pour faire mon étage. Mais tais-toi devant les gens. Quand le diable part, il ne peut pas savoir ce que tu penses. Il fait deux choses. Il suggère les moyens pensés dans ta tête, tu penses que c'est toi qui penses. Et puis la seconde chose, quand tu parles beaucoup, il saisit. Alors, c'est pour vous montrer la différence entre le diable et puis les démons. Hein. Le diable, il n'est pas omniscient. Il n'est pas omnipotent. N'est-ce pas? Hein? Il n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être partout à la fois. Oh, le Seigneur Jésus, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Mais comment le diable sait? J'ai un projet, je suis au village, j'ai mon projet, et puis comment il sait? C'est parce que j'en parle, et puis les démons sont les agents du diable. Qui comprend maintenant? Le diable, c'est le papa. Merci, pédagogue. Le diable, c'est le papa. C'est lui qui les envoie. Oh, je vois, cet homme-là, il a bien de côté beaucoup de vie. Va voir, quels sont tes projets? Et puis un démon vient, tite à langue. Ah, moi, mais je vais faire. Donc, il va rendre compte. On dit, bon, on va lui barrer le chemin, on va le rendre malade. Il va dépenser tout son argent. Oui, petit machin, malade, tout l'argent s'en va, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Taisons-nous. Parlons de Dieu aux gens. Là, si tu es prolixe, parle de Dieu aux gens. Dans tous les cas, va parler de Dieu aux gens. Ça, il faut le faire. Mais laisse les projets tranquilles. Laisse les autres frères tranquilles. Laisse la famille. C'est pas bon de parler de ses enfants. Mon enfant n'est pas bon, il est mauvais. Mais tu dis il est mauvais? Quand le diable va le prendre,
Tu vas te plaindre. J'ai terminé, il est 2 minutes. Mais vous permettez, merci, je vais jusqu'à 5. Vous êtes d'accord, non? Bon. Vous savez, chez nous, ma mère m'a raconté une histoire. Il y a un enfant vraiment têtu. Têtu, hein? Et puis un jour, les femmes sont allées au marigot. Et elles ont dit, il y a un enfant qui se noie. Il se noie. Sa mère qui est au village, elle dit, hey, si c'était un cas, c'est bon. Il était tellement têtu, c'était lui. Il allait apprendre. Pour la maman, vous dit, hey, mais c'est un conseil. Ah, car il est trop. Si c'était lui, c'est bien. Et puis les gens viennent à elle, maman. Oh, quelqu'un est mort. Elle dit, c'est qui? C'est Aka. Quel est Aka? C'est mon fils. Oui, c'est ton fils. Vous comprenez un peu? Ayons de bonnes pensées. Amen. Pas de malédictions, pas d'imprécations. Le diable s'en sert. Alléluia. Alors, les démons, ce sont les agents du diable. Qui a bien compris? Par contre, le diable, il voulait faire un coup d'État et il a monté le coup avec les démons. S'ils devinrent Dieu, eux, ils étaient des anges, des super anges. Mais comme il ne sait pas que c'est Dieu qui l'a créé, ou bien il a oublié. Dieu l'a chassé et il est sorti avec tous ceux qui voulaient faire le coup d'État avec lui. Ils sont les démons. Et vous avez bien compris. Ce sont les démons, les mauvais esprits. Et ceux-là, ils sont nombreux. Mais le diable, il est unique. Alléluia. Amen. Alors, ne soyons plus craintifs à que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Amen. 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 Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le Saint-Esprit que vous avez reçu fait de nous quoi? Des fils de Dieu. Des fils de Dieu. L'adoption, c'est ça. Ça veut dire que Dieu nous considère, il fait de nous ses enfants. Amen. Pas nous considère, mais il fait de nous des enfants. Amen. On peut considérer quelqu'un comme son enfant, mais ce n'est pas son enfant pour ça. Mais on le prend, on dit, ah, c'est ton enfant, c'est mon enfant. On fait les papiers. Il devient ton enfant. Non, Dieu, par son Esprit Saint, il a fait de nous des fils d'adoption. Nous ne devons plus craindre. C'est quoi nous crions Abba, Père. Abba veut dire Père en araméen. Alléluia. L'Esprit lui-même rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qui a ce témoignage? Tu ne l'as pas encore, il faut que Dieu te donne. Tu dois savoir que tu es enfant de Dieu, que Dieu t'a élu. Peu importe ce qui arrive, tu vois toujours la main de Dieu dans ta vie. Tu es enfant de Dieu. Amen. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Amen. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Bien-aimés, il nous a choisis dès le commencement pour le salut. Par la sanctification de l'Esprit Saint et par la foi en la vérité. La vérité, c'est la parole que nous avons reçue. Et il fait de nous ses enfants d'adoption. Et nous devons hériter un enfant, il est héritier. Est-ce qu'un enfant il a demandé l'héritage? Non. Lui, il est dans la maison. Et puis son père fait le testament. Et lui, mon fils X, c'est mon héritier. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Qui sait ce que Dieu lui a. Qui est convaincu que Dieu lui a donné l'héritage? Amen. Un héritage qui ne peut se corrompre. C'est le dernier passage. Dans 1 Pierre. Frère Mathias, tu viens de dire ça? 1 Pierre. Un héritage. Vous savez, ici, il y a des héritages qui se corrompent. Hein? On dit, on a donné un héritage, c'est une maison, c'est de l'argent, ce sont des vêtements. Depuis que le testateur est mort, vous n'avez pas encore ouvert les valises, vous allez ouvrir, il n'y a que les termites. On regarde, c'est tout les termites. On regarde, tout est pourri. Vous comprenez? Votre héritage est pourri. S'il y a des biens de banque, tout c'est pourri. Les vêtements, tout c'est pourri. Moi, j'ai vu ça comme ça.
Oh, on regarde dedans, on regarde ça, et puis ça tombe. Les gros pailles là, papa, ça tombe. C'est pourri. C'est un héritage corruptible. Mais il nous a donné un héritage qui ne veut pas se corrompre. Amen. Alléluia. C'est 1 Pierre. On va le lire. Nous sommes héritiers, frères, parce que nous sommes enfants. Amen. Et en tant qu'enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Regardez ici. Ça veut dire que toi et moi, nous avons tout ce que le Seigneur a. Amen. Juridiquement, hein? N'est-ce pas? Juridiquement, on a tout. Maintenant, si on ne le manifeste pas, c'est notre faute. Hein? Juridiquement, nous avons tout ce que le Seigneur a. Et c'est pour cela qu'il dit que celui qui quelqu'un croit en moi, il fera les choses que j'ai fait, il en fera de plus grandes. Amen. Parce que lui, il sait que toi, tu es son frère, il est ton aîné. Mais vous êtes tous des héritiers. Par contre, celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, ils sont issus d'un seul. D'un même. Amen. 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 J'aime ça, il le dit souvent. Nous sommes sanctifiés et nous sommes issus d'un seul. Nous sommes co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu. Amen. Voilà l'héritage. Allons-y, mon frère. On le lit et puis on termine. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et nous a régénérés. Amen. Ceux qui sont choisis seulement, hein? Les œufs, ils continuent dans la moisissure. Leurs idées sont pourries. Mais ils continuent. Mais nous, on avait été régénérés, recréés. Alléluia! Être régénéré, c'est être recréé, être transformé, être renouvelé. C'est Dieu qui l'a fait. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui on peut prêcher la parole, aujourd'hui on peut croire, on peut dire, bah moi, si j'ai aimé et fait mes yeux, je suis en demain Dieu. On est convaincu. Amen. Mais celui qui n'a pas été régénéré, c'est sa vieille nature qui le domine. Oui. Et l'apôtre Paul dit, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je hais. Mais plus tard, il va dire, si je vis, amen. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Christ vit toi, vit-il en toi? Est-ce qu'il vit en toi? Amen. Alors tu peux être vraiment heureux. Amen. On continue notre texte. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souillé, ni flétri, lequel vous est réservé dans les cieux. À alléluia, vous. Alléluia. Il nous a appelé au salut pour avoir un héritage incorruptible. Amen. Alléluia. Amen. Continuons, frère, la lecture. Qui vous est réservé dans les cieux, à vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Arrête-toi là. Qui est d'accord? Les épreuves, vous connaissez le but des épreuves. Les épreuves sont l'engrais de la foi. Alléluia. Mais ça vient pour nous purifier, pour accéder à cet héritage incorruptible. Amen. Il nous a salués dès le commencement, oui. Pour le salut. Amen. Par la transformation, par la sanctification du Saint-Esprit et par la foi en la vérité. Amen. Pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller. Vous êtes heureux? Amen. Lévons-nous. Il laisse la place à mon frère. Lévons-nous. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.